J'ai reçu avec beaucoup de bonheur une délégation de la FIFA qui est venue parler avec nous d'un projet important qui vient vraiment apporter une réponse à une attente que nous avions au niveau du Bénin. C'est la mise en place d'un vrai programme de formation avec un expert qui est détaché par la FIFA qui va être ici au Bénin. C'est un programme pour lequel il n'y a que 8 pays qui ont été sélectionnés dans le monde, dont 2 en Afrique. Et le Bénin a la grâce d'être l'un des 2 pays africains pour la phase pilote de ce programme, qui est un programme donc par lequel nous allons détecter les meilleurs talents de football, qui sont très jeunes, âgés autour de 12 ans, et qui vont être pris en charge, formés de façon sérieuse et rigoureuse, avec les premiers résultats au bout de 4 ans de formation. Vous savez qu'au Bénin, il y a une belle synergie entre le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football. Nous avons profité pour présenter à la délégation de la FIFA les efforts qui étaient déjà en place, les différents programmes qui sont mis en œuvre et qui vont constituer un vivier pour ce programme qu'ils viennent opérationnaliser dans le pays. Et donc, je suis un ministre des Sports heureux de pouvoir encore, avec la Fédération, bénéficier de la présence et de la collaboration de la FIFA. Heureux que le Bénin ait été choisi parmi les pays pilotes. Et j'ai profité pour notifier à la délégation tout le sérieux que nous mettrons, ministère des Sports, Fédération béninoise de football, pour que effectivement ce choix qu'ils ont fait de faire confiance au Bénin soit pour un choix concluant au bout de l'exercice.